Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la semaine qui arrive. Donc cette semaine du 10 au 16 mai. N'oubliez pas que vos tirages de la seconde partie du mois de mai vont bientôt arriver. Donc je vous avais dit que vous auriez droit à un second tirage, non pas général cette fois-ci, mais 100% sentimental pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc préparez-vous. Que va-t-il se passer cette semaine pour vous? On va voir ça tout de suite. Avant, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires. Pour les personnes que j'ai eues au téléphone déjà, je vous souhaite vraiment bon courage et comme je vous ai dit, tenez-moi au courant. Et si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Mais on en a déjà discuté. Et puis, je vous envoie plein d'énergie positive. D'accord? J'espère que vous ressentez toute l'énergie positive que je vous envoie à travers mes vidéos. Alors, que va-t-il se passer? Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Quel message pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent? Donc, c'est un tirage général et collectif. Je ne vise aucune personne, aucun signe, hein. Donc, certains messages vont vous parler et d'autres non. On parle ici de transformation. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous comme je peux aussi parler de quelqu'un qui se trouve près de vous. Dans tous les cas, ça nous indiquera que ces énergies vous touchent tout simplement. On parle de transformation, on parle surtout de lâcher prise ici, hein. J'ai des personnes qui sont, alors ça peut être des féminines, d'accord, qui ont beaucoup d'intuition, qui sont dans le mental et qui utilisent davantage leur mental que leur intuition. Et on me dit, vous vous posez trop de questions, normalement, vous avez déjà les réponses et il y a certaines choses que vous avez déjà senties. On me parle ici de personnes qui sont dans le désert, qui n'ont pas de nouvelles de quelqu'un, ou on vous dit d'utiliser votre intuition, d'accord? D'arrêter d'être dans le mental, d'essayer de comprendre, mais peut-être qu'il s'est passé ceci, peut-être qu'il s'est passé cela. Non, tout simplement, utilisez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. L'intuition n'est pas là pour rien. Elle permet de se protéger, l'intuition. Alors, on va s'arrêter là. S'il vous plaît, m'équipe. Quel message pour les personnes qui m'écoutent et qui me regardent? Enfin, tirage général et collectif. Quel message de l'univers pour cette semaine? Quelles énergies de la semaine qui arrive du 10 au 16 mai, s'il vous plaît? Merci. Parfait. Il y a de l'argent qui arrive. J'ai, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde puisque c'est collectif, c'est général plutôt. J'ai des personnes qui étaient en litige ou qui sont sur le point de récolter de l'argent, tout simplement. J'ai la nécessité ici, la richesse et l'ordre. On me dit que, il était temps ici. Il était temps. Pour moi, ça fait longtemps que vous attendez. Il y a vraiment une nécessité. J'ai quelqu'un qui met en place une action en justice ou administrativement parlant, hein, des personnes qui mettent des actions en place pour pouvoir récupérer ce qui leur revient de droit. C'est ce qu'on m'explique ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? On me dit qu'il était temps. Il était temps de s'affirmer, il était temps de se lever, il était temps de mettre les choses en place. Que peut-être dans cette situation-là, on est un peu trop attendu, on s'est laissé couler, ou peut-être qu'on a fait confiance à l'autre partie, et puis les choses ne sont pas venues. Là, on prend les choses en main. Si vous allez récolter l'argent maintenant, peut-être certains d'entre vous allez récolter sur cet été-là, peut-être dans un mois à peu près. Ouais. J'ai cette notion-là, hein, de personnes qui vont récolter cet été. Moi, j'ai des personnes aussi à qui on dit, et là c'est très important, levez-vous pour aller faire vos démarches. Il y a tout ce qu'il faut ici, ce qu'on me dit, pour que vous puissiez récupérer ce qui vous revient de droit. Mais il y a cette nécessité-là de faire les choses, de s'affirmer aussi. L'ordre, c'est aussi, l'ordre vous demande aussi de vous affirmer pour aller réclamer les choses. D'accord? Parce que tout ne tombe pas, malheureusement, tout ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a des choses qu'il faut aller chercher aussi. Donc pour certains, vous allez récolter. Et pour d'autres, on vous demande d'aller chercher, de faire
de faire ce qu'il faut, d'accord? Je vais recouvrir une fois, une seule. Une seule fois. On ne va pas trop aller dans les détails. S'il vous plaît, mes guides, vous pouvez éclaircir pour moi la nécessité, la richesse et l'ordre, s'il vous plaît. Merci, hein? Ouais, j'ai des personnes qui sont dans le besoin, alors que c'est comme s'il y avait de l'argent qui dormait quelque part. Personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui souffrent au niveau financier, c'est difficile, d'accord? Je ne dis pas que vous êtes dans le besoin au point d'aller faire la manche, ce n'est pas ça. Mais c'est comme s'il y avait de l'argent qui dormait là et on passait à côté de quelque chose. Il y a certaines personnes, vous n'avez pas demandé de pension alimentaire alors que clairement, il faudrait en demander une. C'est peut-être la fierté qui vous empêche, c'est peut-être bon, des choses pas claires. Ça, c'est compliqué, cette histoire de pension alimentaire. Mais c'est comme si on se privait de certaines choses alors que l'argent était là, d'accord? Prends la première. Ouais, il faut réfléchir à comment on fait les choses. Mais il faut réfléchir, faut pas trop réfléchir non plus. Hein, d'accord? Là, j'ai des personnes qui sont dans le mental. Oui, mais non. Mais on parle beaucoup de pension alimentaire ici. Hein. Il faut faire les choses. Faut pas se plaindre après. D'accord? Vous dites, vous bougez ici. Et ensuite, j'ai l'élévation. Vraiment. C'est vous. Allez vers... on vous guide dans une direction. C'est à vous de prendre les devants. N'attendez pas que ça vienne de la partie d'en face. Ça ne viendra pas de la partie d'en face. Les gens ne vont pas être sympas avec vous juste pour être sympas avec vous. Les gens ne vont pas se mettre à votre place pour savoir si vous avez besoin de cet argent ou pas. D'accord? C'est à vous de faire les choses pour vous-même, encore une fois. Allez chercher ce qui vous revient. C'est ce qu'on me dit. C'est un message qui ne parlera pas à tout le monde. C'est le message que mes guides m'envoient pour les personnes que ça concerne. D'accord? Il en faut pour tout le monde. Alors, autre message pour cette semaine. Donc, cette semaine, certains, vous avez des démarches à faire, peu importe le domaine que ça concerne. Pension alimentaire, aide financière de l'État ou autre, je ressens que vous avez droit à certaines choses, vous n'avez pas les demander. On ne va pas vous envoyer dans votre boîte aux lettres. Oui, au fait, tu as oublié de demander une pension alimentaire ou tu as oublié de demander telle aide pour ton entreprise ou peu importe. Non. Au contraire. Si vous ne demandez pas, les gens sont ravis. Alors, j'ai du changement positif pour certains là. Oh là. Alors, j'ai la carte bleue. On me dit que vous avez les clés. Elle s'est retournée, mais elle sortira peut-être après. On me dit que vous avez les clés de la réussite ici pour avancer. En dos de deck, ici, dans le domaine professionnel, j'ai de grands changements pour vous, de grands bouleversements positifs pour les personnes qui regardent et que ça concerne, bien sûr. J'ai un appui de l'univers. Certains, vous êtes en pleine reconversion professionnelle, vous mettez de nouvelles choses en place et c'est une bonne chose. On vous dit de laisser certaines choses derrière. Il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Merci. J'ai l'élévation encore. Hein. Alors, j'ai la justice ici. Mais j'ai surtout la justice, pas au sens où... je ne parle pas forcément de bataille juridique, hein, d'accord? On parle vraiment d'honneur dans le sens d'honneur et j'ai le soleil ici, vous avez des super cartes, j'ai Mercure ici, le soleil. Donc on parle vraiment de rétablir une situation, rétablir votre stabilité aussi, d'accord? Donc ça c'est très important. Là pour moi, ça parle au domaine professionnel davantage, ok? Professionnel ou rétablir une situation par rapport effectivement soit à la justice soit à l'administration. On voit que vous avez la réussite et que vous avez l'élévation grâce à ça. L'élévation, ça peut être une élévation d'ordre financière aussi. D'accord? Voilà pour ce deuxième message. Troisième message ici pour les énergies de cette semaine, nouvelle semaine du mois de mai. Alors, quel message de l'univers pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent? Énergie de la semaine, quel message l'univers souhaite partager? Oh là, il y en a trop, je regarde quand même. On ne parle pas de sentimental cette semaine. Hein. C'est pas ce qui... pour l'instant, je ne parle pas trop vite. Hop. Les guides, s'il vous plaît. Quelle énergie. Ok. J'ai de la distance. On parle de surveillance.
d'instabilité, de tranquillité. Ici, j'ai le voyage. Le voyage peut me parler de distance, de déménagement, etc. On me parle aussi de surveillance. Là, j'ai quelqu'un avec sa longue vue qui surveille. Donc, quand j'ai cette carte-là, souvent, on parle de surveillance, on parle de distance. Pour moi, j'ai quelqu'un ici. Alors, c'est certainement du relationnel. J'ai quelqu'un qui se tient à distance de vous. Vous vous tenez à distance de cette personne, mais vous observez ce qu'elle fait. J'ai la personne qui observe là, qui est dans l'instabilité, qui maintient l'autre dans l'instabilité et qui est elle-même dans l'instabilité. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne sait pas se positionner, qui ne dit pas ce qu'il ou elle pense, mais qui observe quand même. D'accord ? Je pense que cette personne, soit elle a des problèmes, c'est possible, d'ordre psychique. D'accord ? Ce qu'on me dit. Et aussi, c'est une personne qui a besoin de travailler sur elle-même. Cette personne, elle reste à distance parce qu'elle a besoin de travailler sur elle-même. D'où cette carte de la tranquillité. C'est ce que je ressens fortement ici. Pardon. Je vais recouvrir. Alors, pourquoi cette personne se tient à distance ? Et pourquoi elle observe quand même ? Est-ce qu'elle va ouvrir la bouche pour parler une bonne fois pour toutes ? Alors, Lady, s'il vous plaît, peut m'éclaircir sur le voyage, l'instabilité, la tranquillité. Je vais prendre les deux. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va sortir de son silence, hein, parce que pour moi, il y a un silence. Et là, on parle de sentimental quand même. Il y a une séparation. Il y a bien une séparation. Pour moi, il y aura une reprise. Ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui sont en silence, là, il y a eu un petit break où vous ne parlez plus, allez, ça ne va pas dépasser un mois. Je ne vais pas dépasser les un mois, d'accord ? Maximum deux. Mais pour moi, il y a pu avoir une relation quand même où... une relation assez riche, une relation qui apporte beaucoup de choses, mais pour X raisons, là, il y a eu un blocage dans la communication, il y a eu une séparation, et il y a eu un blocage, une séparation, et puis une distance, quelqu'un a pris ses distances. Alors, cette personne, elle prend ses distances, mais elle observe quand même. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, on me dit, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'instabilité aujourd'hui. Elle a envie d'avoir ce bonheur parce que c'est cette personne, ce qu'on me dit, c'est qu'elle ressent du bonheur avec vous. Peut-être que cette semaine, certains d'entre vous, vous allez avoir le retour de soit un ex. Alors, si c'est pas un ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez une communication un petit peu, un peu bancale ou sans dents de scie. Parfois on communique pas. On me dit qu'il y a beaucoup de sentiments. Cette personne, elle a besoin aussi de se retrouver seule. Et que vous aussi, vous la laissiez tranquille, cette personne, pour que vous puissiez lui manquer tout simplement et pour qu'elle puisse se rendre compte aussi des sentiments qu'elle vous porte. D'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui... ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Hein. J'ai, pour certaines personnes, quelqu'un qui va vous expliquer que elle est occupée à régler... à mettre en place certains arrangements avec une ancienne relation. Pour moi, cette semaine-là, si c'est pas cette semaine, c'est dans les jours qui vont venir, ou c'est déjà passé, ou ça va arriver. En tout cas, c'est en préparation. On parle d'énergie ici, donc ce sont vraiment les énergies. Moi, j'ai quelqu'un qui met en place des choses pour régler une situation avec quelqu'un dont il ou elle s'est séparé. Donc, si vous êtes dans votre entourage où vous connaissez quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne discute pas avec vous en ce moment et vous vous posez des questions. Cette personne a un ex-conjoint, une ou un, c'est homme ou femme, hein, avec qui c'est compliqué. Vous vous demandez si cette personne n'est pas retournée en arrière. Pour certains d'entre vous, pas pour tous, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour certains qui n'avaient pas... qui ne s'étaient pas séparés, on acte la séparation ici, d'accord ? Et on essaie de trouver un compromis. Allez, autre message ici. Autre message. Ouais, moi j'ai quelqu'un, on parle d'un masculin ici qui...
qui soit reçoit des lettres de relance, alors ça va pas trop du côté financier, soit des lettres de menace, soit comment on appelle ça? Une obligation de se présenter à la justice, hein, une convocation, tout simplement. Moi, j'ai ça. Hein. Pour certains, vous avez eu des disputes avec quelqu'un, vous êtes disputé avec un masculin, n'importe quoi. Un masculin, vous échangez si c'est une femme. Alors, allez, trois cartes, s'il vous plaît. Ouais, j'ai quelqu'un ici, un masculin, encore une fois, qui ne communique pas, mais encore une fois, masculin. Ça peut être une femme, hein, d'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui ne communique pas avec vous. J'ai quelqu'un qui se sent piégé, qui sait pas, pieds et poings liés, qui ne sait pas comment faire avec la carte du despotisme ici. J'ai quelqu'un qui sait pas du tout comment faire et qui préfère, en tout cas, qui a préféré pendant un moment mettre la tête dans le sable. C'est ce qu'on me dit. Au lieu de chercher une solution, allez, je m'enferme chez moi et peut-être je fais le calimero. Là, je pleurniche sur moi-même et je communique pas, etc. Et je bouge pas, mais en même temps, j'espère que quand j'aurai sorti la tête du sable, eh ben, les gens m'attendront. La vie, ça marche pas comme ça. Hein? Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui peut aussi être un petit peu malade. Alors, si c'est pas de la maladie, clairement, je parle pas de santé ici, mais ça peut être un gros malaise. Hein. Quelqu'un qui est fatigué aussi, qui est peut-être fatigué en ce moment de se battre. Quelqu'un qui doit gérer galère après galère. Ça peut aussi jouer dans tous les domaines professionnels, etc. Mais comme je dis, si tout arrive en même temps, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une énorme remise en question de la part de cette personne. Il y a une énorme remise en question qu'on attend de cette personne-là. C'est pour ça que tout s'écroule au même moment. Ouais, je vois des ennemis, hein. Je vois je vais recouvrir. Je vois des énergies tierces ici. Hein. Pour moi, on relance, soit on menace cette personne. Ça peut être une énergie de la famille, une ou plusieurs. Ça peut être des dettes, des relances de l'administration, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Alors, les guides, s'il vous plaît, vous pouvez éclaircir pour moi le... Ouais, il y a des disputes, hein. Il y a des disputes, c'est comme si on me montre quelqu'un qui... Oui, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, j'ai cette idée-là où vous n'avez pas payé ceci, nous attendons votre paiement de... Bon, j'ai quelqu'un qui est acculé, là. Il est temps que cette personne se réveille. Mais vraiment, évite, hein. Je vois des échanges qui rendent cette personne presque malade, en fait. C'est comme si aussi elle avait des problèmes pour communiquer. C'est quelqu'un qui s'enferme là parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes pour communiquer. En même temps, cette personne ne veut pas parler de ses problèmes. Peut-être que on peut l'aider aussi. C'est pas forcément financièrement ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas parler. Quelqu'un qui est dans la lune là. C'est quelqu'un qui n'est pas bien et qui garde pour lui ou qui garde pour elle et qui s'enfonce finalement. D'accord ? On demande à cette personne aussi de communiquer, d'échanger sur sa situation. C'est pas pour se plaindre, c'est que on peut pas tout garder sur soi et mettre la tête dans le sable, c'est pas possible. À un moment, il faut ouvrir la bouche, puis il faut chercher de l'aide. D'accord? J'ai cette idée de santé également, d'accord? Il se peut que cette personne elle soit réellement malade. Alors, je parle pas de grosse maladie ou quoi, mais ouais. C'est quelqu'un autour de cette personne aussi peut y avoir des influences néfastes. Je vais recouvrir une autre fois pour vous. Je recouvre. Alors, j'essaie de me dépêcher, sinon je n'aurai pas le temps de faire le tarot. Parce que j'adore le tarot quand même. Alors, je recouvre une dernière fois. Dans une situation sentimentale, on me dit que c'est quelqu'un qui aimerait bien vous voir, hein. D'accord? Ouais, qui aimerait bien vous retrouver aussi. D'accord? On me dit que là, cette personne, si elle ne communique pas avec vous, c'est elle qui a toutes les clés en main pour venir vers vous. Donc, il ne faut pas chercher à communiquer avec cette personne-là. Là, clairement, parfois, je vous dis, si vous le sentez, il y aura une ouverture pour cette personne. Parfois, je vous dis, si vous le sentez, envoyez un message, etc. Si vous avez déjà envoyé un message, vous n'avez pas eu de réponse et que c'est pas la première fois que cette personne vous fait le coup, c'est pas... Là, par contre, pour moi, tout tient dans les mains de cette personne.
C'est pas à vous de communiquer, c'est ce qu'on me dit ici, vraiment. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans la dans le besoin. C'est comme si c'était quelqu'un qui était dans le besoin maintenant, qui avait l'élévation ici. C'est dû au passé, il y a beaucoup de méchanceté de la part de la famille, etc. Peut-être que cette personne attend des nouvelles de votre part, mais elle n'en donne pas non plus. C'est pas la première fois qu'elle vous fait ce coup-là. Et vous, vous voyez cette personne comme quelqu'un de malhonnête. Alors c'est vrai que le comportement est malhonnête. Je peux pas, j'ai la chauve-souris ici, je peux pas vous dire le contraire. Mais c'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui fait preuve de sagesse aussi, qui se protège et qui peut-être aussi vous protège parce qu'autour on voit beaucoup de méchanceté. J'ai des influences néfastes autour de vous qui bloquent aussi le fait, qui bloquent le fait que vous puissiez vous voir ou passer du temps ensemble de façon sereine. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, le tarot. Alors, il me reste 10 minutes. J'ai pris trop de temps. Alors, quelles énergies pour cette semaine du 10 au 16 mai pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, s'il vous plaît, mes guides. Montrez-moi les énergies de la semaine. Que va-t-il se passer cette semaine pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, s'il vous plaît? Merci. J'ai quelqu'un, on me parle du sentimental ici, j'ai quelqu'un qui est dans la résistance, qui s'isole, qui peut-être est parti sans donner de nouvelles. Quelqu'un qui avance tout doucement. C'est incroyable. Quelqu'un qui est encore tourné vers le passé, quelqu'un qui a cette passion envers vous, hein, mais qui avance tout doucement, qui sait. Et le pire, c'est que cette personne sait qu'elle peut construire quelque chose avec vous, qu'elle veut. C'est comme si cette personne, elle voulait construire une famille avec vous, avec le 10 de coupe ici. Et elle a peur, cette personne, que vous partiez aussi. D'accord? Et cette personne, elle s'isole. Alors, elle fait rien. Lui ou elle, hein, cette personne ne fait rien. C'est comme si il ou elle espérait que lui tombe tout cuit dans la bouche un petit peu. Et cette personne, elle se met sciemment, toute seule, dans la résistance ici. Mais il va falloir qu'elle se bouge. J'ai le jugement ici qui me parle d'ordre. C'est pas forcément la justice ici, mais c'est la justice divine qui va lui mettre un coup de pression, entre guillemets, pour lui dire que hop, il faut un peu plus de volonté pour aller chercher ce deux couple-là. D'accord? C'est bien de se lamenter sur son sort et sur son passé, de se dire que oui. On a tout donné à quelqu'un, peut-être cette personne a abusé de nous, nous a trahis, etc. Et mais quand on sait qu'on a rencontré quelqu'un de nouveau et que ça se passe bien, que ça pourrait aller encore mieux, faut pas se plaindre et rester dans son coin parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à vous reprocher. Ouais. C'est quelqu'un qui croule pour moi sous les obligations financières. D'accord? Il y a eu la fin de quelque chose. Hein. Pour moi, j'ai un roi de coupe ici. Qui était avec une reine de bâton qui l'a trahi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui il a pu avoir un accord avec un homme, une femme. Il y a cette idée de faire un choix aussi, hein. À un moment, je pense que cette personne a dû faire un choix et elle a été trahie, cette personne. C'est ce qu'on me dit. Elle a été trahie. Alors, montrez-moi les énergies, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui ne bouge pas, qui est dans l'observation, et on vous dit de ne pas bouger, de rester dans l'observation, clairement. Parce que pour moi, ce n'est pas la première fois. Donc, cette personne, il faut la laisser revenir. J'ai du conflit, moi, chez cette personne-là. On vous demande de demander la justice pour vous-même. Hein. Soyez juste envers vous-même. J'ai quelqu'un qui va venir vers vous, d'accord? Qui a envie de venir, en tout cas. J'ai quelqu'un qui essaie de prendre soin de une personne qui essaie de prendre soin d'elle-même parce qu'il y a eu des conflits autour de cette personne-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui met tout en œuvre, en tout cas, qui a essayé en tout cas de tourner le dos à une situation, de refaire sa vie, de recommencer. Mais c'est comme si on tirait cette personne en arrière. J'ai des énergies qui tirent cette personne en arrière là.
On me dit, j'ai quelqu'un du passé qui revient quand vous aurez lâché prise et que vous serez dans l'abondance, que vous aurez compris que vous n'avez pas besoin de cette personne-là dans votre vie. C'est là que cette personne revient. C'est ce qu'on me dit. On parle de famille aussi. J'ai quelqu'un qui a tourné le dos à une ancienne situation de famille, une ancienne situation familiale ici, d'accord? On parle de roue qui tourne et de fin de cycle. Cette personne-là, si elle avait des choses non réglées dans le passé, ça arrive à sa fin ici. Ça arrive à sa fin. Utilisez votre intuition, on vous parle de votre intuition ici. D'accord? On vous dit que cette personne-là, elle a pu revenir à plusieurs reprises dans votre vie, mais vous avez senti qu'il y a des choses qui n'étaient pas réglées. Pourtant, vous n'en avez pas parlé. Peut-être que vous avez laissé revenir cette personne dans votre vie sans lui poser trop de questions. Et pourtant, il y a des choses qui n'étaient pas réglées. Et cette personne, elle ne savait pas encore dans quelle direction elle allait. Là, on parle du sentimental. Hein. Pour certains d'entre vous, cette personne, je la vois revenir, vous n'allez pas accepter comme ça. Vous n'allez pas lui ouvrir la porte comme ça. Et on vous dit c'est pas de refuser, hein, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. On vous dit de prendre du temps pour vous, d'accord? Parce que pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a eu, un choix à faire. Il y a un choix entre deux personnes. Mais ça, cette personne, elle ne vous l'a pas dit. C'est ce que je ressens. Un choix entre deux personnes ou un choix entre deux situations. Je vois plutôt un choix entre deux personnes. Et ça, vous pensiez pas. Pour certains d'entre vous, vous pensiez pas que c'était ça. Mais cette personne-là, je vois qu'elle aussi, elle a été trahie. Vous vous sentez trahie, mais cette personne aussi, elle a été trahie. Et pour moi, c'est récent. C'est pas si lointain que ça. Hein. Et j'ai quelqu'un qui lui réclame de l'argent. Ou qu'il y a des obligations financières là qui plombent cette personne-là. J'ai quelqu'un qui pense à son financier, qui aimerait bien peut-être vous retrouver, mais qui pense en priorité à son financier. J'ai quelqu'un qui essaie de manifester son retour auprès de vous hein, également. Ouais. On vous dit, parmi vous, j'ai des personnes qui sont très méfiantes, hein. D'accord. J'ai des personnes qui sont très remontées aussi et qui attendent patiemment le retour de cette personne pour lui dire ces quatre vérités. Ouais, j'ai la surveillance. Hein. Peut-être que parmi vous, j'ai des personnes qui surveillent cette personne, qui essayent de savoir ce qu'elle fait. On vous dit de sortir de cette énergie parce que essayer de trouver des informations, d'être dans la surveillance tout le temps, en fait, ça vous met dans une espèce de dépression où la moindre information que vous arrivez à capter, ça vous fait cogiter outre mesure et vous sombrez dans la paranoïa. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Je regarde le temps. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a quitté une situation familiale hein, dans le passé, ce qu'on me dit, qui trouve que... Et cette personne, elle est vraiment mieux toute seule, d'accord? Mais il y a quand même du regret par rapport au passé, peut-être par rapport à tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, peut-être par rapport à toutes ces charges financières. Ouais, j'ai quelqu'un à qui on exige des choses. C'est pas juste qu'on lui demande, on exige des choses de sa part. Ça commence à devenir lourd. Et cette personne, elle le vit comme une trahison. Peut-être qu'elle a beaucoup donné et qu'on lui fait comprendre, ben non, t'as rien donné du tout. En fait, c'est comme si cette personne, elle avait fait beaucoup et on réduisait son aide ou ses responsabilités en disant, ben non, t'as rien fait du tout, faut que tu donnes encore. Ouais, j'ai quelqu'un, c'est comme si j'ai quelqu'un qui se bat seul. On parle d'un roi de coupe ici qui se bat seul, qui se sent trahi, mais qui aussi dans sa façon de communiquer. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent trahi. Pour moi, ça se passe au niveau d'une ancienne relation, un ancien engagement. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui se met à fond dans son travail, hein, qui communique pas, qui se met à fond dans son travail pour essayer de gérer ça. Parce qu'il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère de la part de cette personne. Et c'est quelqu'un qui, en gros,
déteste un petit peu tout le monde aujourd'hui. Même si vous lui avez rien fait, cette personne, elle va pas. Elle met un petit peu tout le monde dans le même sac pour l'instant. Et vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies-là. Donc, il faut laisser cette personne tranquille. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Ce qu'on vous dit ici, hein, prenez soin de vous, hein. Ouais, cette personne. J'ai quelqu'un qui quitte un engagement ici. Qui quitte un engagement. Peut-être que, il y a la vente d'un bien immobilier. Peut-être que ça traîne en longueur, ce qu'on me dit ici. Et cette personne, elle ne vous avait pas dit. Il y a quelque chose qui était caché ici, un engagement ou un pacte ou quelque chose comme ça. Cette personne était peut-être déjà séparée. On me dit, hop, on s'en va. Et il est possible que cette personne parte avec moi. S'il y a la vente d'un bien immobilier, parce qu'on parle beaucoup de ça, il est possible que finalement, ça fait tellement longtemps que ça traîne, que cette personne finalement, pour sortir de tout ça, elle a choisi de finalement accepter moins que ce qu'elle pensait toucher au départ. Il y a beaucoup de regrets et aussi de colère avec ça. Donc vous mettrez en commentaire si ça vous parle, hein. Ouais, j'ai le diable qu'en veut à son portefeuille, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui tient son argent, hein, d'accord? Qui veut la victoire. Et puis j'ai quelqu'un qui. Derrière, j'ai quelqu'un qui se sent abandonné. Alors, il y a peut-être que cette personne, elle gagne mieux aujourd'hui qu'elle ne gagnait avant. Et puis j'ai une ancienne relation là qui se dit, ah, mais moi aussi, je veux toucher une part du pactole ou quelque chose comme ça. Et qui j'ai quelqu'un qui a peut-être cherché à revenir avec cette personne-là pour le financier. Et cette personne s'est rendue compte justement du caractère diabolique, entre guillemets, de la proposition et qui a repris le dessus. Et cette personne, elle se sent jetée dehors, elle est à l'abandon là, elle se dit, ah non, 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 ben moi j'ai une part du pactole, ça va passer par la justice, etc., etc. J'ai quelqu'un qui est extrêmement fatigué, qui essaie de manifester quelque chose de nouveau. J'ai quelqu'un qui d'extrêmement froid en ce moment et qui a besoin de gérer ses émotions seul. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour vos vidéos de deuxième partie du mois de mai. Prenez soin de vous.